Can't say that again. Saxophone. Yeah. Really? But that's been really nice. I think the old ship is even there. Yeah. Boris, yeah, I think tonight is the layout. When you play, just play strong. Sometimes you wait and you wait for me or something. Yeah, yeah, and then yeah. I need you to either play strong or don't play. Let's play one chord. No, it's different now. Oui, depuis Athènes jusqu'ici, ça fait. Surtout que la veille, on était en Géorgie, à Tbilissi. Donc, il y a des jours comme ça où c'est un peu fatigant quand même. Il y a déjà l'histoire, bien sûr, de l'album, de la recherche des musiques de Nino Rota, que j'ai repiqué sur les films d'ailleurs. Le disque, bien sûr, l'enregistrement. Et là, la tournée, c'est autre chose. Moi, pour moi, c'est toujours un peu comme si je partais dans un long voyage en bateau avec un équipage et voilà, il faut garder le cap, il faut qu'il n'y ait pas de mutinerie en voyage, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des coups de fatigue, mais tout ça, ça nourrit la musique et ce qui fait que on joue pas de la même manière au premier jour comme au milieu de la tournée. C'est sûr que la musique a évolué, a vécu là. Peut-être que l'idéal, ça serait de faire la tournée et l'album après, peut-être. Disons que là, en faisant le contraire, on a quelque chose, on a un album un peu plus, non pas parfait, mais plus pudique comme ça. Il y a moins d'improvisation, il y a moins de prise de risque dans l'album. Bon, c'est peut-être plus agréable pour l'auditeur d'ailleurs, parce que le soir, on essaye des choses, mais il y a des choses qu'on réussit, des choses qu'on loupe aussi. Hein. Donc, sur un disque, le problème, c'est que ça reste. Donc, mieux vaut que ça soit plus vers quelque chose d'assez abouti, complètement. Quoi. Là, on apprend à se connaître. Bon, moi, j'ai un peu la barrière de la langue, parce que je ne parle pas anglais. Mais il y a un rapport humain qui est très, très, très important, hein, qui est de temps en temps, il faut des fois un peu remettre pas les pendules à l'heure, mais comme ça, être. Moi, je donne beaucoup d'importance au côté humain, parce qu'il n'y a pas de côté. La musique ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait un côté vraiment humain. Alors, le côté professionnel, tout ça, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait. Il peut y avoir des coups de colère ou des choses comme ça, mais il faut que ça vive, quoi. Il faut que ce soit une histoire. Une histoire d'homme, quoi, de marin, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, j'ai du son, c'est bien. Ah, ça me permet de jouer moins fort, tu vois. De moins me tuer. Et c'est vrai que cette mélodie à la trompette m'a beaucoup marqué. Et avec le recul, je m'aperçois que c'est c'était vraiment un chef-d'œuvre. C'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu, enfin que j'ai vu dans ma vie. Et l'osmose entre la musique, l'histoire, puis cette histoire universelle de la strada qui est la vie. Quoi. On part comme ça et on vit tous cette chose-là. Quoi, voilà. J'avais fait ce projet il y a une quinzaine d'années avec d'autres musiciens. Et à l'époque, c'était pas dans l'air du temps, quoi, parce que même ma maison de disques n'était pas vraiment intéressée à ce que je fasse un disque de ce projet. J'ai quand même fait quelques concerts, pas mal de concerts d'ailleurs, en France, en Italie. Puis j'ai remis mes partitions dans un tiroir jusqu'à l'année dernière où Deutsche Grammophon m'a demandé si j'étais d'accord de faire un hommage à Nino Rota. Et j'ai un peu hésité, puis j'ai dit oui. Et j'ai fait appel à d'autres musiciens, bien sûr.
soir, c'était particulier parce qu'à Athènes, par exemple, on ressent ce malaise, cette tristesse même. Hein, qui a, alors même dans le public, on a joué différemment à la fois. Mais c'était, il y avait comme une chape de plomb, quand, quelque chose. Il y a quelque chose. Ce soir, moi ici, bon, c'est toute une histoire très longue. La première fois que j'ai joué à Calais, c'était en 67. J'avais fait un concours international que j'avais gagné d'ailleurs, Trophée mondial d'accordéon, en 1967. J'avais 17 ans. Et après, avec Patrick Dréhan, le directeur du festival, c'est la première personne qui m'a passé une commande pour un concerto. C'est le seul concerto que j'ai écrit d'ailleurs. Mon concerto s'appelle Opale Concerto. Et donc voilà, c'était une belle histoire. Et ce soir, ce sera une retrouvaille avec le public, tout ça, parce que je suis venu quand même pas mal de fois à Calais. Hein. Playel, on verra, ce sera demain. Mais je sais qu'il y a une télé en direct aussi, enregistrement dans la télé en direct, c'est une grande salle. Mais pour nous, c'est pareil, parce que vous savez, une fois qu'il y a le public est dans le noir, on se retrouve tous les cinq face à notre musique, et à notre écoute, et à nos dialogues. Quoi. Donc on ne peut pas préméditer de dire, bon, ce soir... voilà, le résultat nous échappe un peu, c'est quelque chose d'un peu magique.